Eh ben, je suis très heureuse et je suis très émue d'être là. D'abord parce que je suis toujours heureuse d'être chez moi au Maroc. Je suis heureuse de pouvoir aussi supporter ce visage d'un Maroc ouvert, cosmopolite, curieux, qui s'intéresse à la culture, au pays du monde entier, qui accueille les gens merveilleusement avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'élégance. Donc je suis très très fière ce soir d'être marocaine, d'être dans mon pays, puis de représenter le Maroc à l'intérieur de ce jury. C'est un grand honneur pour moi. Ben, vous savez, tout ça, ce sont des histoires. C'est une histoire avec un début, une fin, des personnages, des décors, donc c'est pas si éloigné que ça. Moi, dans mon travail d'écrivain, je suis très inspirée par le cinéma. Je ne m'inspire pas que d'auteurs, je m'inspire de la peinture, je m'inspire du cinéma, et je pense que c'est intéressant de montrer que les artistes s'inspirent entre eux. Les écrivains vivent pas dans une bulle, et les réalisateurs dans une bulle, les peintres dans une bulle. C'est un monde commun dans lequel on a un langage commun, donc c'est très important de passer justement d'un monde à l'autre, que le monde soit pas fermé. Le cœur, c'est-à-dire ce qui va me toucher, ce qui va me hanter, ce qui va me faire me poser des questions, ce qui fait que je vais rentrer le soir, je vais repenser à ce film, à cet acteur, à cette actrice, à cette histoire. Je crois que je vais vraiment essayer de, voilà, d'être fidèle à mes émotions. À votre avis, si vous me connaissez un peu, vous savez que oui, ouais, moi j'aime les femmes, j'écris sur les femmes, je défends les femmes, donc je suis très heureuse, et très heureuse d'être avec des hommes féministes aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, et ça va. Et ils sont très sympas, et ils sont tout à fait d'accord avec nous pour défendre ce combat.